Salut tout le monde, c'est Bog. Il est tard, mais j'ai fait une découverte récemment et il fallait vraiment que je la partage en fait avec vous, mes chers abonnés. Et c'est un moyen de passer de Sony Vegas à After Effects sans avoir à faire de rendu. Et oui, vous avez bien entendu. Donc je vous montre comment. D'abord, on ouvre Sony. Et là, vous avez votre montage qui est prêt et tout. Et ce que je faisais avant, et sûrement beaucoup d'entre vous, c'est qu'on allait faire le rendu d'abord sur Sony pour y passer 1 ou 2 heures pour ensuite ouvrir la vidéo sur After Effects pour y ajouter les effets comme Twitch et Opticflare. Mais maintenant, grâce à moi, vous allez économiser mais vraiment beaucoup de temps. Donc vous allez tout simplement ici sur la petite disquette ou si pour enregistrer sous, ou sinon vous cliquez sur Fichier, Enregistrer sous. Et là, vous écrivez exemple test ou sinon mieux. Rendu en 5 secondes. Et ensuite, vous allez sur Fichier AAF Hérédité à vide. Ce que ça veut dire, je ne le sais pas, mais ce que ça fait, c'est que vous pouvez ouvrir votre montage sur After Effects et sans aucune perte de qualité. Donc, je le mets dans le bureau, on clique Enregistrer. Ensuite, on ouvre After Effects et double-cliquez ici. Sur bureau, vous devrez le trouver, il est là, voilà. C'est un fichier tout blanc en fait, et quand vous cliquez sur ouvrir, vous prenez ça et vous le glissez ici dans votre composition. Voilà. Et voilà, maintenant vous avez tout votre montage. Et voilà, là vous pouvez ajouter tous les effets que vous voulez en fait. Ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et d'aller vous abonner, le lien de ma chaîne est dans la description. Amusez-vous avec les edits tout le monde, allez ciao.